Salut les mobeurs. Donc, on se retrouve pour une petite vidéo, cette fois avec la 50V Aurélie. Parce que j'ai une petite couille sur ma 103, j'ai la cartouche Doppler qui encore se dessoude. Donc, voilà, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais au début, je voulais prendre ma 103 et putain, je m'entendais pas même pas parler, quoi. Ça fait un barouf de tous les diables. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la course d'endurance du samedi 1er juin qui se passe à Sauzet, le tour de l'horloge. Eh ben, on en parle, et comme d'habitude, après le générique. Allez! Donc le Tour de l'Horloge, c'est une course d'endurance de mobilette qui dure 12 heures. Pourquoi le Tour de l'Horloge? Eh bien, parce que ça fait 9h, 21h, ben, 12 heures quoi, un tour d'horloge. Waouh. Donc on va prendre les petites routes de campagne et on va en parler tranquillement, comme d'habitude. Donc il m'a invité, enfin l'organisateur m'a invité à participer à l'événement, bon pas en tant que coureur ni rien, mais en tant que youtubeur. Et crois-moi que quand il m'a proposé ça, ça m'a fait plaisir. Hein. Donc je vais me pointer là-bas avec Aurélie. On y va dès le vendredi soir, enfin dès le vendredi aux alentours des midi, on devrait arriver là-bas, on va voir. Et on va en profiter pour filmer. Et arriver à vous sortir une putain de vidéo qui déchire. Donc c'est pour ça que j'ai acheté la GoPro, que je me suis emmerdé à avoir un son qui est plus que correct maintenant avec tous les réglages et tout ça. Ça a défoncé les routes ici. Je vous dis heureusement qu'il y a la stabilisation d'image. Donc là-bas, comme je disais, on va avoir pas mal de choses à filmer. Mais déjà, ce qui est cool, c'est qu'on va suivre une équipe qui va courir. Donc ça c'est chouette parce que du coup je vais pouvoir leur mettre la GoPro sur le casque. Ils vont pouvoir avoir le micro à l'intérieur aussi, ce qui fait que si jamais le mec il parle, je vais lui faire un petit briefing quand même pour qu'il parle un petit peu, qu'il explique ses ressentis et tout ça pendant qu'il court. Si jamais il le fait, c'est chouette, ça peut donner quelque chose de vraiment sympa. Donc on va filmer ça, on va filmer aussi les passages au stand. On va filmer aussi des interviews, parce qu'il va falloir que j'interviewe l'organisateur, le maire. On va interviewer aussi l'équipe qu'on suit, parce que c'est pas un simple mec qui roule pendant 12 heures. Faut pas, non. Il y a deux pilotes, il y a un mécano, il y a une petite équipe, quoi. Donc on va pouvoir leur poser quelques questions. Et puis ça va être quelque chose d'assez sympa. Il y a les stands aussi de course, les paddocks qu'on va pouvoir filmer. Le soir, il y a un petit concert, donc on va filmer tout ça. Donc il y a moyen de faire quand même une vidéo vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et en plus, quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui est encore du jamais vu sur ma chaîne, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous proposer du contenu qui est nouveau, qui est original aussi, qui sort de l'ordinaire, plutôt que de me voir tout le temps en train de bricoler ma pétoire ou en train de râler parce que c'est une panne d'essence. Voilà. Donc voilà, il y a moyen d'arriver à sortir quelque chose de sympatoche. Après, forcément, c'est pas une vidéo qui va durer 30 secondes. Donc vu qu'il y a énormément de choses à filmer. D'ailleurs, putain, on va où là? Gauche, droite, je sais même pas où est-ce qu'on est. Bon, ben allez, à gauche. Il y a le plein dans la mobilette, tu peux pas tomber en panne d'essence. C'est quand même des vidéos qui vont être assez longues. Une vidéo qui va être assez longue, donc elle sera découpée en trois parties. Je pense que j'essaierai de faire des vidéos d'à peu près un quart d'heure, 20 minutes. C'est pas trop court sans être trop long non plus. Après tout ça, voilà, c'est de l'approximatif, je sais pas encore, parce que là, je vous filme la vidéo, là on est jeudi, je vais la publier ce soir sur ma chaîne. Donc je suis un peu beaucoup dans le flou à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère arriver à vous sortir trois vidéos d'un quart d'heure, 20 minutes, ce serait sympa. Ce serait cool, ça permettrait en plus de pouvoir parler vraiment de tout, prendre le temps de voir tout ce qu'il y a à voir là-bas, tout en vous sortant
Oh putain, ce trou. Une vidéo de qualité et originale pour ma chaîne. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi. Si jamais vous me croisez là-bas, n'hésitez pas à venir me voir. Si jamais vous voulez passer sur la vidéo, c'est avec grand plaisir. Ou sinon, prendre une petite photo que je mettrai aussi sur la vidéo, c'est avec plaisir. Et si jamais vous voulez un t-shirt Xizor Custom, n'hésitez pas à venir le réclamer. Je viens avec deux t-shirts. Donc voilà, si tu as envie d'avoir ton t-shirt, eh ben, tu viens me voir, on parle un peu, on fait un petit bout de vidéo, on va boire une petite mousse ou un petit café si tu bois pas de bière, moi je la boirai pour toi. Et puis voilà. Bon, mais putain, avec les montées, elle rame ma pétoire. Allez, hi-ha ! La pauvre. La pauvre, la pauvre, la pauvre. Bon, ben voilà, ben dans cette montée infernale de la mort qui tue, ben, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye.